Salut les gars, c'est Fangio, j'espère que vous allez tous très bien. Et je vous propose aujourd'hui de faire un glitch qui est vraiment très très simple à réaliser, qui est vraiment très rapide et qui peut vous rapporter un max d'argent. Pas mal d'abonnés me demandaient justement de pouvoir faire des glitches pour essayer d'avoir l'argent. Et donc ce serait vraiment sympa que tout le monde puisse en profiter un maximum et que tout le monde puisse se faire plaisir par rapport aux véhicules qui sont déjà sortis et ceux qui vont bientôt sortir. Donc profitez vraiment bien de ce glitch et j'espère que vous aurez vraiment le temps de le faire. Et donc on va commencer directement. Pour ce faire, vous devrez être donc dans une session publique. Si possible, une session publique avec moins de 15 joueurs. L'idéal est 5 à 10 joueurs, mais jusqu'à 15 joueurs, le glitch fonctionne. Donc si maintenant il y a trop de joueurs dans la session, n'hésitez pas à changer et vous en prenez une autre. Et pour faire ce glitch, donc vous aurez besoin, si possible, du garage à 400 000, que vous remplirez des leggies non custom à 0$ GTA donc, et vous garderez simplement un emplacement pour mettre le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc ici, moi, je vous recommande vraiment de prendre les leggies qui est custom donc chez Beniscar et qui se revend un peu plus de 900 000 dollars GTA. Et donc, les 9 autres emplacements, vous mettez des leggies à 0$ GTA. Je disais oui, moins il y a de joueurs dans la session et plus vite le glitch sera fait. Donc jusqu'à 15 joueurs, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. L'idéal évidemment est peut-être 5 joueurs, 10 joueurs, ou alors si vous avez la possibilité d'être seul dans une session, là c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment extrêmement rapide. Donc ici vous avez bien vu, j'ai gardé 2 leggies pour vous montrer justement ce glitch. Vous aurez besoin donc également d'un centre d'opération mobile que vous placerez exactement de la même manière que moi. Donc vous le voyez, hein, là je l'ai placé, vous verrez le coin de la remorque est juste placée en dessous de ce petit Porsche. Et donc je vais faire le tour pour vous montrer exactement comment le placer, mais là c'est vraiment très important de le placer de cette manière. Donc vous voyez, le coin du camion est vraiment bloqué juste en dessous de cette petite plateforme, un peu avant cette petite lumière. Ça c'est très important. Et donc dans ce centre d'opération mobile, vous placerez également déjà une leggie. Voilà, et là maintenant ça va être très rapide, je vais vous montrer. Donc vous rentrez dans cette leggie. Et là, vous accélérez, ça c'est très important, vous restez accéléré, donc vous appuyez sur R2 jusqu'à ce que la cinématique noire, jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur tout simplement. Et là, vous pourrez lâcher l'accélérateur. Ensuite, vous allez avec votre leggie, vous rejoignez de nouveau votre camion, vous vous placez au même endroit, n'allez pas trop près, hein, ça ne sert à rien, ça peut faire bugger le camion. Et vous voyez, donc vous allez à l'endroit pour rentrer dans le camion, vous sortez tout simplement du véhicule et là le véhicule va disparaître, il va despawn. Là c'est vraiment très bien, c'est que le glitch fonctionne pour vous sans aucun problème. Et là ensuite vous rentrez dans votre garage, vous prenez tout simplement le véhicule que vous voulez dupliquer, donc moi ici la leggie RH8 custom. Vous allez de nouveau vous rendre derrière le camion pour rentrer, et là vous collez pas trop, hein. Dès que vous avez voilà directement le petit signal qui vous dit que vous pouvez rentrer, ok, vous appuyez sur flèche droite et là vous appuyez une à deux fois sur croix pour accepter, et vous verrez ça va un peu bugger comme ça. Je ne sais pas, vous l'avez certainement entendu dans le gameplay, ça va un peu trembler comme ça, et directement vous allez pouvoir rentrer. Et vous voyez, hein, quand on rentre dans le camion, il n'y a pas de cinématique, hein. C'est vraiment un écran noir, donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, vous récupérez votre véhicule, comme je le disais, vous rentrez à nouveau dans le camion, et là, ça certifie que votre duplication est faite. Donc une fois ceci fait, donc vous sortez du camion, et là maintenant, vous pouvez amener votre véhicule dans votre garage, il va vous dire que votre garage est plein, c'est normal, il est rempli d'autres voitures. Et donc vous le remplacez tout simplement par les leggies à 0$ GTA. Ensuite, vous pouvez directement recommencer le glitch. Donc vous voyez, hein, je vais vous le remontrer encore une fois. Il me reste encore une leggie, donc je vous le remontre. Donc dans ce cas-ci, vous sortez du garage tout simplement. Vous vous rendez près du centre d'opération mobile. Vous rentrez à l'intérieur. Et là, vous rentrez tout simplement dans les leggies. Là, vous appuyez sur R2, donc vous accélérez et ne lâchez pas jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, vous pouvez lâcher. Enfin bon, voilà, vous devez redémarrer pour vous rendre de nouveau dans le centre d'opération mobile. Et donc là, vous vous mettez juste à l'arrière du centre d'opération mobile comme si vous voudriez rentrer. Mais là, vous ne rentrez surtout pas, vous sortez du véhicule et pof, il va disparaître, il va despawn. Donc c'est excellent, c'est que le glitch se passe très bien. Et donc là, vous vous rendez à nouveau dans votre garage. Là, vous allez prendre le véhicule que vous voulez dupliquer.
Donc vous pouvez le faire avec des autres Lowrider, mais moi je vous conseille vraiment, si vous l'avez en tout cas, de prendre la Elegy RH8, c'est ce qui rapporte vraiment le plus d'argent. Donc voilà, vous sortez de nouveau du garage, vous vous mettez juste à l'arrière du camion pour rentrer. Ne vous collez pas au camion parce que ça risque de faire trembler, de faire bugger le camion. Donc là, il va vous dire que le dépôt de véhicule est plein. Donc quand vous avez appuyé sur flèche droite pour rentrer, vous dites OK. Donc sur croix, vous allez voir, ça va un peu trembloter comme ça, mais ça va accepter. Vous allez directement spawn à l'extérieur du centre d'opération mobile. Et là, vous faites le tour, donc vous rentrez à nouveau dans le centre d'opération mobile pour certifier la duplication. Donc là, vous rentrez à nouveau dans votre véhicule, vous ressortez du camion, et là maintenant, donc la duplication est quasi faite. Là maintenant, vous pouvez amener le véhicule dans votre garage. Il va vous dire que votre garage est plein, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, ben, moi, il me reste une seule Elegy non custom. Donc je vais la remplacer par la Elegy non custom, et voilà. Donc vous avez vu, c'est extrêmement rapide et c'est vraiment très très facile. Vous verrez même, à force de faire des duplications, en un rien de temps, vous pouvez remplir un garage complet. Soyez bien concentré parce qu'à force de le faire, c'est tellement simple et tellement, tellement facile et rapide que de temps en temps, vous risquez de fail. Donc soyez bien concentré pour le faire. Et ici, donc, je l'ai mis en avance rapide pour bien vous montrer que l'on peut bien sur-revendre ces véhicules. Et comme je le disais, la Elegy RH8 rapporte un peu plus de 900 000 $ GTA. On va le voir directement. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre ce véhicule. Hein. Si vous n'avez pas, tâchez de tout faire pour l'avoir. Revendez des autres véhicules s'il le faut. Mais c'est vraiment le véhicule qui vous rapporte le maximum d'argent. Donc vous voyez ici 901 300 96 $ GTA, ce qui est vraiment pas mal. Donc si vous avez un garage plein, ben, si vous en avez plusieurs, c'est même excellent. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce glitch. Je l'ai trouvé hier vers 22h, donc je l'ai testé quelques fois pour voir et il fonctionne vraiment très très bien. Malheureusement, j'étais complètement crevé hier, mais comme je voulais vraiment vous le présenter, je me suis levé assez tôt ce matin. Et donc là, il est à peine passé 5h, et donc voilà, le rendu de ma vidéo est fait, et là maintenant, je vais la poster. Je viens, il y a à peine un bon quart d'heure aussi, dès que je me suis levé, j'ai vérifié pour voir si le glitch était toujours efficace et qu'il fonctionnait toujours. Profitez-en, il fonctionne toujours. Donc je ne sais pas jusqu'à combien de temps Rockstar va le patcher, mais enfin profitez-en vraiment. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo et que ce glitch vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser le petit like qui me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également d'activer la petite cloche pour être averti de mes futures vidéos. C'est FNJO qui vous dit merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Bow to the king. Bow to the king.